arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plus de petits potes, c'est vraiment cool. Nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je teste et améliore vos decks. Les gars, c'est la première fois que je fais ce concept. C'est le concept de Walouf de base, mais comme Walouf est très très connu, il a beaucoup de decks à faire. Et du coup, il peut pas tous les faire. Du coup, j'essaie de faire du mieux que je peux pour vous aider. N'hésitez pas à me donner vos decks sur Insta, les gars, des decks pas méta, parce que les decks méta, ça sert à rien. C'est des decks méta qui sont joués par des pros. Donc, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram, les gars. Et j'en ferai une vidéo tous les... Dès que j'ai 3 decks, j'en ferai une vidéo. Et puis voilà. Donc, je vais faire 3 decks. Donc, je vais faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va commencer par celui-là. Les modifications, vous les verrez juste après cette game. Et puis, c'est parti. Avant que les vidéos commencent, les gars, on n'hésite pas à s'abonner et à lâcher votre pouce bleu. Car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, vraiment, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Ça me soutient et ça fait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui feront. Et puis, on part directement dans cette première game avec ce deck. Hop, j'ai absolument plus les noms. Excusez-moi, j'ai plus du tout les noms. Ok. Donc, quand c'est un petit esprit de feu, donc c'est un deck qui n'a pas de connexion. Ok. On va voir comment on le joue. Je vais mettre un petit bûcheron au fond de map. Ok, le D2. Je pense qu'on va aller boule de feu, peut-être pour cancel. Ok, là, on a une très bonne boule de feu. Est-ce que j'ai la tête des deux? Non, c'est ok. Et bah, je pense que si ma gomme d'élixir. Non, ok. J'ai une chance de mettre le poumon alors, à ce moment-là. Comme ceci. Hop. Ok, bon, c'est bon, on a un gros sort, un petit sort. On a des trucs aériens, des trucs terrestres. On a un DPS. Il nous manque juste la bonne condition. En vrai, il nous manque juste la bonne condition. Donc, on va commencer avec des barbares d'élite avec un petit esprit de feu. Ok, il a des barbares d'élite aussi. Ça c'est chiant, la guérisseuse va être relou. Ok, le sorcier qui va faire son taf. Normalement, sorcier zap ça tue les barbares d'élite. Même quand ils sont full life. J'ai un peu raté mon zap. Ok, bon, ça passe quand même. Sans aucun souci. Ok, on va attendre de voir ce qu'il fait de notre adversaire. Bon, ça va être évident. Du gomme d'élixir pour commencer dès la première game, ça va pas être forcément évident. Je pense pas se clear mes squelettes pour pas qu'il. Bon, qu'on peut nisser, mais il est plus très shot. Hein. Ok, bon, il a Zap Flèche. Ouh, ça va être compliqué cette game. Elle va être très très compliquée cette game. Je pense que là, comme il a joué quoi? Il a joué Barbare d'élite. Il a cycliste et Barbare d'élite. Va partir en bûcheron fond de map. Ok, on aura la BD, je pense que je vais la garder parce qu'il va partir un peu, je vais me décrire ici, je pense. Du coup, je vais juste mettre un Nimus au pont. Ah. Pas prévu ça. Pas prévu du tout ça. C'est vraiment bien que ça tue le dragon. Parfait. Là, on se met bien. On va pas se le cacher. Ok, on va aller BDF en plus. Je pense. Ouais, ça peut être pas mal la petite BDF ici. Dommage que le D2 focus le barbadé qui est full life. On va quand même aller prendre cette tour. Ça, c'est pas trop trop mal. On va attendre de voir ce qu'il fait. Sinon, on va poser la masque de pont. Et il arrive kit. Et on peut détruire cette première game. Donc les gars, c'est possible que je fasse des défaites avec les modifications et des victoires avec sans modification. C'est un peu les aléas du jeu. Hein. Et sur le long terme, ce sera plus fort avec les modifications. Donc les gars, on se retrouve tout de suite pour la game des modifications, les gars. Oui, ça serait pas mal. Ok les gars, c'est reparti. Donc là, vous voyez, j'ai fait que 3 modifications, les gars. Je m'autorise que 3 changements, hein, comme Walouf, les gars. Donc les gars, j'ai remplacé
Le sorcier parapluie magique, je trouve, est plus polyvalent, il coûte moins cher et permet d'aller gratter des dégâts puisque nous sommes sur un bridge spam. On est parti sur la voleuse, hein, voleuse qui met une grosse pression dans le deck, et le cabellier qui est la win condition. Je pense que le deck sera beaucoup plus polyvalent. Alors je sais que c'est un deck avec beaucoup de légendaires qui peut être compliqué à un max, mais si t'as un max petit à petit, etc. Voilà, ça peut être cool. Ok. On va commencer par un petit cabas pour commencer tranquillement. Ok, on a le... Allez, tu peux remplacer aussi fantôme par la voleuse par le fantôme. Ça, c'est en fonction de tes goûts. Ok, c'est déjà la merde. Ok, ça va. Heureusement, mais genre vraiment heureusement que l'esprit est mort. Parce que là, sinon, ça va pu faire très 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 mal. On va mettre la voleuse ici très très vite pour pouvoir dash. Ok, on va aller mettre un dash, ça c'est pas trop mal. On va aller mettre pas mal de dégâts, et là on sait qu'il a 0 élixir. On a genre plus 5, plus 4, plus 5. Là on peut du coup aller mettre les barbares d'élite ici pour aller mettre un max de pression. Il met ses barbares d'élite. Je pense qu'on va les avoir pour au moins tuer un, ça peut être pas mal. Et endommager l'autre, c'est pas mal. On va laisser gratter dans tous les cas, voilà exactement. Je savais qu'il allait faire un truc comme ça. C'est pas grave. Ok, c'est parti. On est contre un bridge spam, nous aussi. C'est pas mal. D'ailleurs, les gars, actuellement, la vidéo sort ce soir. Je serai en live à partir de 23h. Pour rush le ladder, les gars, essayer d'aller aux 7000 trophées. Ça serait pas mal. Pour faire le top 1000. Comme ça me fera farmer le pass et monter une licence de glace niveau 14. Et pouvoir enfin avoir mon deck totalement max. Et là par contre frère, tu casses les couilles. Bon, c'est du 3M du coup. Ça c'est chiant, c'est du 3 mousquetaire. On va quand même prendre cette tour. Et des mains, ce qui va être relativement compliqué, hein. On va pas se le cacher. Je pense qu'on va laisser rater le fantôme, hein. J'ai pas trop le choix ici. Ok, je vais quand même mettre un archer, faut absolument pas que je leak. Donc le mec, on a concrètement rien à foutre, hein. Approximativement. Bon, heureusement qu'il est un peu débile. Hop, voilà, nickel. Ah bah frère, t'es chiant. Bon, on va devoir... J'ai quand même une petite pression, histoire quand même... Si on perd la tour, de pouvoir défendre, enfin de pouvoir... Ok, on va partir. De pouvoir... tenter de jouer deux couronnes. Ok, là c'est la merde. En plus, il n'y a rien qu'à tourner. Ça c'est bah, tout ce que je voulais pas du coup, hein, pour le coup. Là je vais devoir malheureusement BDF et il va quand même perdre la tour en plus. Ok, bah j'ai très mal joué cette game. Oh alors je suis vraiment pas sur un matchup facile. 3M c'est très compliqué avec le deck actuellement. Au moins il y en a un qui meurt. Est-ce qu'on peut essayer quand même d'aller sauver l'honneur? Ah bah c'est pas un trop quoi, d'accord. On s'est fait déglinguer, c'est abusé. Bon, c'est pas grave. Ouais les gars, on se retrouve avec le prochain deck. Bah en fait on se retrouve pas parce que c'est celui-là comme deck. Et dégage. Donc c'est ce deck les gars. Alors ce deck en soi est pas trop mal. Le fuscule je comprends pas trop. L'artificiaire non plus. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire comme changement. Peut-être le zap aussi. Voilà. Donc on va le copier. On va aller lancer une petite game. Ça serait bien de tourner sur un 12 et faire un petit full win. Donc les gars, il y a moi qui avec la dernière... Si on fait une défaite avec la... Dernier deck, on fasse une dernière game pour... On tentait d'aller faire les 12 victoires tout simplement. Et ça commence très très mal avec un zappy. Bon, en vrai ça va, on a les recrues, on a le gel, on a le zap, on a pas mal de choses, c'est pas trop mal. Le souci étant que j'ai une main qui éclate ce sous-sol. Ok, on va les zap ça. Hop, on va aller mettre le bûcheron en plus. Possède d'aller des pop, on va partir, c'est quoi? Là, le bûcheron qui va peut-être tanker un petit peu le ballon. Ah, il a MG plus chasseur. Allez, ballon. Oh oui. Oh, le ballon. Bon, là, par contre, je sais pas trop comment défendre. Là, maintenant, faut assumer la défense. Ok, bon. L'article a pas envie de tout taper. Ok, ça, c'est chiant. On va prendre beaucoup de dégâts sur ça. Ok, ok. On va partir en fuit à squelette. On aura le gel, peut-être, s'il a pas de soin ou quelque chose comme ça. Ok, très beau fuit barbare. Il a un snowball. Ok, très bien, il a un snowball. Bon, alors, il nous joue quoi? Un espèce de zappy, what the fuck? Why not? Zappy. Ah non, mais c'est un zappy classique, putain, je suis con. Bon, du coup, là, on va partir bully son map. Bon, cette fois, bah,
Je pense qu'on va faire à peu près le même schéma, juste à pas partir en ballon, parce que mauvaise idée. Mais vas-y. Ok. On va attendre un petit peu, toujours attendre un maximum. Zap. Et le zap qui était le plus éclaté axe au sous-sol possible. C'est un plaisir hein, d'avoir. Et quoi? Hop, surprise. Surprise du chef. On va perdre notre tour, mais au moins. Le seul bon côté, c'est que. C'est qu'on a quasiment pris un tour. Donc là, on a un coup de ballon. Le ballon, on en a un qui fait approximativement moins 13 de dégâts. Là, il a plus le chasseur, si je puis me permettre. Il a un chasseur maintenant. Ouais, là, je vais la repartir en Lumberloon. Sachant qu'il a chasseur MG. Ça me fait pas kiffer de devoir faire ça. Ça me fait pas kiffer de devoir faire ce que je viens de faire là. Il a mené sa tour, à moins qu'il soit débile, oui, il a mené sa tour. Bon. Bah, pas, je voulais pas, j'ai fait exprès de pas essayer de zap ou quelque chose comme ça, parce que je savais que ça allait pas passer. On a le recrue qu'on doit la mettre très très tôt malgré moi, parce que là, donc j'ai pas trop envie de les mettre actuellement, mes recrues. Ok, ça va. Enfin, ça va. Encore une fois, ça reste relatif, hein. Ça reste un peu trop relatif même. Hein. Je pense que là, un bon zap, ça peut être pas mal. Un bon petit zap qui permet de tuer le zappy, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, à voir comment on défend. À voir. Ok, là, on a le bûcheron. Ok. On a le bûcheron qui va permettre de faire un gros DPS sur le l'ange gobelin. On va aller mettre le zap pas trop tard parce que sinon, eh ben, ça va servir à rien. Là, on a un bon ballon, je pense. Souci étant, c'est que le chasseur bah, va mettre le temps de mettre un deuxième coup. Et non, il se prank. Ok, il met une foudre express. Ça, c'est chiant. On va lui mettre une arty parce que sinon, le Dark Prince va lui mettre un coup. Oh, bah, heureusement. Écoutez, on va lui mettre un chasquette un peu yolo pour essayer d'aller tanker. Enfin, tanker un coup de zapier au moins. Ok, il a bien joué. On va devoir mettre un bulliste ici. On va devoir mettre des recrues au fond. Là, j'ai plus le choix. Est-ce que je vais avoir le temps? Je vais devoir gel. Ok, je vais aller gel là. Non. Oh putain. Oh là là. Oh la gueule du mon gel. Ok. À l'aide. Non. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. On n'a pas de tornade avec le bulliste. On n'a pas de tornade avec l'artier. C'est problématique. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des changements avec vous. Parce que dès qu'il est assez intéressant. Déjà, la tornade, elle est obligatoire. La tornade, elle est juste obligatoire. Le zap, on va l'enlever. Là, le fieu squelette, il sert à rien. Le fieu squelette ne sert strictement à rien. Je pense qu'un truc pour cancel, ça peut être un petit tweez. Et est-ce que je garde le recrues? En vrai, il manque un DPS. On a le bûcheron, mais un DPS à rien, vous voyez. Parce que là, on n'a pas grand-chose. Je pense que je vais enlever l'arty. Ou peut-être les recrues, je sais pas. Parce que l'arty, quand c'est ça qui la touche du roi. Et pour le, contre le ballon, déjà, qui met très peu de coups. C'est chiant, je pense que je vais mettre à la place de l'arty. Un D2, ça serait, je pense, la meilleure des solutions. Hein. Clairement, le D2, ça serait... Après, le problème, c'est que le deck va commencer à coûter cher, quoi. Il va commencer à piquer. Du coup, je pense que je vais laisser l'arty et je vais enlever les recrues. Et je vais mettre... Je vais mettre un bébé dragon. Bien. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et si tu peux, enlève l'arty et mets un D2. Parce que comme ça, ça fait un vrai deck. Mais là, il faut absolument, faire ça. Mettre, enfin, baisser le coût du deck parce qu'elle était beaucoup trop chère. Et la tornade, en fait, ça va permettre aux Zappy, aux bébés dragons, aux bullies, aux bébés dragons, d'aller tout toucher parce que le bullies, en fait, c'est une boule qui se casse jamais, en fait, elle traverse toutes les troupes. Donc la tornade est très intéressante. Après, je suis très loin d'être un joueur ballon, donc c'est problématique. Mais vas-y, on va faire avec, tranquille. No, sous ça, ok, bon. Là, on va aller mettre le bullist. Parce que là, j'ai vraiment une main de merde. Genre, j'ai pas l'arty, j'ai pas le bûcheron, j'ai pas l'iwiz. Là, frérot, tu forces. Est-ce qu'on protège notre bullist? J'essaie de mettre un ballon yolo pour en découverte. Là, c'est pas un ballon, je coupe des dégâts. Bon, peut-être que je mets des dégâts au final. Bon, je pense que je gèle instant en fonction de ce qu'il met. Non, j'ai pas gèle.
Est-ce que Blanc peut mettre un coup en face? Dommage. Dommage. Il faut savoir que les gars, qui a un placement d'artificiaire, je crois, il est là ou un truc dans le genre. Ici, je crois. Ah non, mais là, tu forces, là, frère. En fait, le PK va genre. Ah ouais, bah en tout cas, c'est cool. Ouais, bah je vais en rajouter une tornade et là, il va sûrement mettre quelque chose en plus, hein. Ah ouais, donc il a des flèches pour mon arty. Voilà pourquoi j'aime pas trop l'arty. Tu vois, comparé à un des deux, c'est que l'arty, bah, elle est trop fragile. Vous voyez, flèche, au boule de feu, ça le tue, tu vois. Alors que quand on a un des deux, ça peut à la limite le cancel, mais il reste sur le terrain, il peut rester chiant, tu vois. Un HP, un bon gel, un gel bien calé, et ça dégage, vous voyez. Par contre, là, mon bouliste, il pue chacal, là, qu'on soit bien d'accord. Là, j'étais obligé de le dragon parce que là, il aurait fait beaucoup trop mal, l'archimagicien. D'ailleurs, notre KTO des contrats plus qu'un Blishpam, là. Oh, c'est la merde. Oh, putain, c'est un match-up de merde. Ouais, j'ai pas de chance sur le match-up, hein, vraiment, parce que... Mais Blishpam, c'est pas un très... Non, putain... Ah, j'ai deux temps, c'est my bad. Bon, alors là, pour déconnecter un coup de ballon, ouais. Pas fou. J'ai connu mieux, hein, pour se le cacher, j'ai connu mieux. Ok, on va mettre le bébé dragon ici, l'arty ici, le boulis qui va faire juste son taf ici. Ok, là on a une très bonne tornade. Regardez-moi cette tornade juste masterclass. Voilà, exactement, là, la tornade a illustré mes propos sur ce que je disais juste avant. Ah non, en fait on a un bon match-up avec ballon, je dis de la merde. T'es le cimetière qu'on a pas un bon match-up. Par contre, frère, t'es chiant là. Allez, ballon, frérot, fais un effort. Un petit coup, deux petits coups. Voilà le ballon. On a le bouliste ici encore une fois. Le bouliste, c'est une carte que je kiffe exactement pour ça. T'es là le taf qu'il fait, frère. Il clean tout le monde depuis tout à l'heure. Et là, on va juste pouvoir remettre un bûcheron et un ballon. Et là, c'est quasiment défendable pour lui parce qu'il a qu'un Iwiz et une BDF pour défendre. Et oh, en plus, une avance. Oh, ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Le ballon. Juste le ballon. Non, mais les gars, le ballon. Juste le ballon, les gars. Non, mais excusez-moi, mais juste le ballon. Juste le ballon. J'ai juste ça à dire. Juste le ballon. Voilà. Non, mais enfin, juste le ballon, les gars. On se met d'accord. Hein. Juste le ballon. On va récupérer ce petit palier. Juste le ballon. Et on va partir sur cette dernière game, les gars. Alors, comment vous dire? En vrai, en soi, le deck, hein, les recrues, je sais pas ce qu'elles foutent là, vous voyez. La machine, c'est pas des cartes qui vont ensemble avec la foreuse. Donc en vrai, en soi, il y a l'idée, les modifications vont être simples à faire. Là, les trois modifs vont suffire à faire un bête de deck. Donc là, ça c'est cool, déjà je suis content. Allez, on va parler de cette prochaine game, hein, contre le frérot Cobra. Ok, bah pour mettre une petite foreuse ici. On peut pas aller à la bûche au cas où il met quelque chose. Ok, bon, on va mettre la bûche là. Ok, il y a une ok, il y a un mes squelette. On a la bûche. On a le roi squelette. On a pas mal de choses pour les gérer. On a la boule de feu aussi. Hein. Là, vous voyez par exemple les recrues. Je sais pas à quoi elles vont servir. Genre vraiment. On va mettre la machine. On va aller quand même mettre la capa, hein, je pense. Ouah, c'est quoi cette Nightwitch là? Ok, il a une belle tornade de sa part. Bon, le dragon, c'est sûrement un petit Lengo. On a rien à foutre. Hein. C'est aberrant. Ah! Ouais, alors là, on va avoir un souci par contre. Là, vu le nombre de chauves-souris qui vont spawn. En vrai, non, ça va en fait. Ça va. Ouais, le Golas Sabacane. Non, mais les gars, le Golas Sabacane. Le Golas Sabacane, les gars, juste ça. C'est. Enfin. Voilà. On va mettre un petit coup, on va pas mettre deux coups, c'est bien joué. Bon là on va éviter de mettre une foreuse puisqu'on sait qu'il a l'arme de squelette. Regardez ce qu'on va faire. C'est quoi mettre la foreuse en mode YOLO. Ici. On va partir en rose quête full map. Genre maintenant par exemple. Il est gratté. Ok. Bon il laisse sa tour. Bon les gars on a un très bon deck défensif sur ça, y'a rien à dire. Sur la défense, les gars, ça m'étonnerait qu'il passe, honnêtement. Peut-être si je fais une bonne boule de feu ici, tu la mets.
Ça pourrait être pas mal, tuer la knight. Alors, tue pas la chauffe. On tue pas la knight, là, ça me fait chier, ça. Je devrais la mettre une bonne bûche maintenant, avant que le clone arrive. On a le Ghost Awakened qui allait permettre d'aller détruire toutes les bats. Le problème, c'est que là, la bûche, par exemple, vous voyez, elle aurait été utile pour tout le bordel qui arrivait. Heureusement, KXL fondé et on a une très très bonne boule de feu ici. Et Glovin Sabacan va faire un taf monstrueux. Juste monstrueux, le Glovin Sabacan là. Là, sans Glovin Sabacan, les gars, la tour c'était ciao. Et on va aller commencer à mettre une autre foreuse opposée. On va mettre un bois squelette. La bûche, on va pas la mettre. Là, je vais la mettre ici, j'ai pas trop le choix. Et il va tenter un push golem. Ok, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va l'ignorer, mais pas trop non plus. Genre, on va quand même mettre une cage, plus un dart assez éloigné. En vrai, non, vas-y, je vais la full def, là, attends, on bat les couilles. Je m'en bats les couilles, je la full def. Là, je mets une boule def, voilà. Je m'en bats les couilles, je la full def, en fait, je suis con, je peux la full def, ouais. T'as un bon deck défensif, frérot. Ok, on a le roi skill ici qui permet d'aller tanker. Et on va aller prendre cette win. Enfin, c'est des golems, les gars. En vrai, j'étais smart à la fin. Je voulais carrément le tour et tenter un truc. Je me suis dit, putain, merde, il y a une tornade, je peux pas faire ça. Et voilà, les gars, du coup, on prend la win. Du coup, les modifications, les gars, ça va être très simple. Le seul problème, j'ai vraiment un seul problème, hein, c'est pas une blague. C'est que je sais pas jouer le deck. Hein. C'est juste ça, parce que c'est un deck méta, tu peux faire un deck méta. Donc, on va remplacer ta cage goblin par une T2. On va remplacer la machine volante par des gardes. Des gardes. Et on va remplacer tes recrues royales par. Bah, par quoi en fait Eh ben, je sais plus par quoi. Tac tac tac, il y a quoi dans le deck, je sais même plus ce qu'il y a. Pas de sapeur, voilà. Et là, les gars, je vous le dis, ça va cycler, mais fort. Juste en général, il n'y a pas de boule de feu. Il y a. Mais j'ai pas la modifier, je vais la laisser comme ça serait déjà très très bien. Il n'y a pas de boule de feu, il y a un esprit de feu à la place. Mais le deck reste très correct comme ça, donc on va jouer comme ça. On va essayer d'aller faire ça. Et la dernière game, ce sera du bonus avec. Avec mon deck cimetière tout simplement. Ou pas d'ailleurs, venant, vous va prendre un deck random. Hein. Je vais tirer un 2 ou 3 et en fonction. Ok, ça c'est chiant. Et bah écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est quoi, Forest Death. Hein. J'ai pas envie de mettre mon T2 maintenant. J'ai vraiment pas envie de mettre mon T2 maintenant. Hop. Là, les gardes et les sapeurs. Hop là, une petite connexion. Là, voilà. Voilà pourquoi je vais garder la T2, puisque le chevalier d'or. Ok, là on a les gardes. J'espère juste qu'il a pas encore sa capa, sinon c'est problématique. Même très problématique. En vrai, si je défends sapeur, ça devrait être bon. Peut-être le sapeur qui peut esquiver le coup. Non. On va prendre un coup d'arbre d'élite, qui reste très correct pour une défense. Le seul problème étant qu'il a plus 3, plus 4 là. Et ça c'est chiant. Ok, un main fantôme. Bon, ouais, il a plus 4. C'est chiant, c'est chiant. On va attendre un petit peu de voir ce qu'il fait, on aura le cross skate pour tanker middle s'il y a besoin. Ok, bon, on va quand même le faire, sinon j'ai pas trop le choix. C'est quoi comme deck charrette? Je sais pas, ça peut être du... Non, je sais pas. Peut-être du 3M, à la limite, mais un 3M bizarre, genre. Ok, il a un fût, j'aurais pu, si j'avais un bon temps de réaction, mettre les gardes. Il n'y a pas besoin de défendre, ça c'est cool. Ok, la foreuse qui va faire son taf. Voilà, il y a une bonne boule de feu bûche. Je pense que je vais aller mettre la boule de feu bûche ici. Hein. Un petit peu. Là, le roi-squeu ici, de toute façon. Hop, tranquillement. On va aller tout tuer ici sans aucun souci. On va pouvoir mettre les sapeurs. Peut-être mettre une foreuse en plus. La foreuse, je sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue. Ok, on a une très bonne BDF. Je pense qu'on va les buts, ça va tout clean. Parfait. Parfait, parfait. Pour l'instant, on gère notre game. Ok, on va aller mettre la T2 ici. Je pense qu'on va aller reforest derrière. On va aller reforest derrière.
Ok, est-ce que je peux peut-être essayer de la créature du roi, s'il met sa capa, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Ok, le fait pas, on va aller mettre une BDF ici. Je vais pas m'emmerder, honnêtement. Je pense qu'on va aller juste remettre une bûche ici, tranquillement. On va quand même mettre une pression opposée. Ici, on va mettre les gardes un peu au fond de map. Ok, on a le gobelin. Le roi squelette, plus la chebu. On va mettre ici la capacité du roi squelette. Les sapeurs, j'ai paniqué, excusez-moi. Ouais, petite panique là de ma part. Un peu my bad, sur le coup. Ok, on va mettre garde plus forus ici. Ça peut être intéressant. Surtout s'il peut caler peut-être quelque chose en plus, ça serait pas mal. Ok, oh j'ai un TBDF. Oh c'est terrible ça. Ça peut me coûter la game, je vous le dis direct, ça peut me coûter la game. Heureusement il me passe ses barbardites là. Avec ses barbardites c'était fini, mais c'est bon. Genre quand je dis fini ta dos, c'est... Ah, par contre... Bah je pense que c'est quand même fini hein. Aïe, ok ça va. Bah écoutez, je pense qu'on va partir reposer là, j'ai plus trop le choix. J'ai plus le choix de partir reposer là. Sinon ça fait beaucoup... Ah oh, vas-y, le sapeur qui troll. Ok, ici on a une bonne BDF bûche, je vais aller mettre les gardes en plus. Non. C'était juste, hein. C'était vraiment juste. Ok, ici on met le petit dart. Ok, on va partir en foreuse. J'ai même la tête de juste ici pour... Je vais pas m'emmerder. On va aller juste mettre une petite chebu ici. Voilà, sans pression. Ok, les gars, là, ça va être la défense. Ok, là, vite, les gardes. On se dit vite sur des gardes. Oh putain, c'est dommage. En vrai, c'est dommage parce que c'était vraiment une belle game. Là, cette game était vraiment compliquée. J'ai fait un petit peu de l'aide au début, mais il a. J'ai pas très très bien joué. Mais en vrai, c'était une très très bonne game déjà. Je suis content. C'était une bonne game. Malheureusement, on perd le défi classique sur ça, mais c'est pas grave. J'ai voulu. Ouais, ouais, voilà. 7k6. Le mec 7k6, il... Ouais. Malheureusement, je pense qu'il a un bon match-up quand même, hein, parce que... Avec l'armée squelette, je sais pas si ça aurait été mieux. Hein. Bah, je pense que ça aurait quand même mieux l'armée squelette. Hein. Même lui, je pense qu'il était pas dégueu. Voilà. Voilà, les gars. Voilà. Non, mais après, voilà, quoi. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était vrai cool. Ciao.